Hello, how are you today? What's wrong with you? So, I'm fine. How are you? I'm fine. Hello. How are you today? I am amazing today. Okay. Yes. Nice. How are you today? I am happy, yes. Oh, very good English. I'm so proud of you. Comme si, comme ça. Hello, Annette. How are you today? Bonjour, Mathilde. Parle avec moi en français, s'il te plaît. D'accord. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Et toi? Ça s'est bien passé, ta reprise hier? Pardon, je ne parle pas français. Allez, allez! C'était le jour avant le match. Alors on a rêvé. Moi, j'ai rêvé à 8h dans le matin, je crois. Oui, parce qu'on avait l'entraînement à 10h. Et je fais la dernière chose pour mon valise. Après, je suis allée à la salle pour l'entraînement. 10h à, je pense, 11h30. Le bus était environ 6-7h, je pense, par route. On a arrêté une fois pour utiliser la toilette, prendre les collations. Et après, on est arrivé à l'hôtel à 19h30. On a mangé, on est allé à notre chambre, mangé 10 minutes après, on a bien mangé, on a préparé pour aujourd'hui. Après ça, il y avait quelques filles qui ont fait les soins juste pour aider leur corps avant de dormir. On a dormi bien et on a rêvé tôt ce matin, pas tôt, mais avant 9h30 pour manger le petit déjeuner. Après, on a fait la vidéo en préparation pour le match ce soir. Et maintenant, nous sommes ici. On fait le shoot pour préparer. Et on a combien d'heures? Je ne sais pas. Mais on avait encore 8, 10 heures avant le match ce soir. Oui, ça va être un petit compliqué, mais un dur match. Les gros matchs, les matchs qu'on veut jouer. Parce que c'est une forte équipe. Ils avaient des très talentueux joueurs. Et il a dit dans la vidéo qu'il faut que nous fassions certains trucs de défense quand on a s'entraîné et aussi de jouer notre jeu aussi. Si on fait les choses qu'on fait bien, on va avoir un problème. Je sais quelque chose et qui n'était pas pour toi.